Bonjour et bienvenue dans votre chaîne La Pomme Digitale. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très brève. Bien évidemment, on sait tous qu'aujourd'hui s'est déroulée donc la keynote d'Apple dans laquelle il y a eu pas mal de présentations. Et puis ce qui m'intéresse moi aujourd'hui, ça va être l'iOS 10 ou bien la première bêta de l'iOS 10 qui a été proposée aujourd'hui. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer en fait, ou bien je vais vous montrer comment installer directement la première bêta d'iOS 10 sans utiliser un ordinateur ni également avoir un compte développeur. Donc pour commencer, je vous informe dans un premier temps que vous aurez besoin donc d'installer l'application Dropbox directement depuis donc l'App Store. De toute façon, je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Et puis également, si vous avez déjà installer un profil par rapport à la dernière bêta qui est disponible, en fait l'avant-dernière bêta qui est disponible, à savoir le 9.3.3, il va falloir supprimer ce profil pour que vous puissiez installer la bêta de l'iOS 10. Donc pour commencer, vous allez cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Vous allez vous retrouver dans une page qui va ressembler à celle-là. Donc après, vous devez cliquer sur le petit bouton vers le haut à droite qui ressemble à en fait un bouton de téléchargement. Et puis vous cliquez sur téléchargement direct. Vous allez patienter un petit instant. Vous serez redirigé sur cette page, en fait, qui est en fait l'installation du profil de l'iOS 10. Donc vous cliquez sur installer, installer également. Et puis vous confirmez en cliquant sur installer. Si vous avez un mot de passe, de toute façon, on va vous le demander. Donc après ceci, vous devez cliquer sur redémarrer et ceci va en fait générer automatiquement un redémarrage de votre iDevice. Donc on va patienter un petit instant le temps du téléchargement ou bien du redémarrage, pardon, de notre iPhone pour que nous puissions en fait enchaîner sur, bien évidemment, la méthode d'installation de la bêta ou bien de la première bêta d'iOS 10. Donc normalement, ça ne va pas tarder. Voilà. À savoir, bien évidemment, que cette bêta est vraiment, vraiment un bêta, donc qui propose pas mal de bugs d'après ce que j'ai pu tester. Moi, donc, je l'ai testé pendant on va dire quelques minutes et puis après, je l'ai désinstallé. Donc, mais c'est à vous de voir, moi. Donc, moi, de toute façon, je vais vous montrer comment faire. Alors, donc, après avoir redémarré l'iPhone, vous devez partir sur l'onglet, ou bien sur le bouton réglage. Après, vous partez sur Général, Mise à jour logiciel. Vous devez patienter un petit instant. Et puis après, vous aurez droit normalement à l'installation de l'iOS ou bien de la première bêta de l'iOS 10. Voilà, donc iOS 10 développeur bêta 1. À savoir que cette méthode pourra être facilement patchée par Apple. Donc si vous êtes intéressé, en fait, profitez-en dès maintenant. Donc c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, de vous abonner également à ma chaîne et puis de laisser un petit commentaire, ça va me faire énormément plaisir. En vous remerciant et en vous souhaitant une bonne soirée de la part de la Pomme Digitale. À très bientôt. Ciao.